Ok, alors on va essayer de se faire une classe un petit peu différente. Je ne dis pas que ça va bien se passer ou pas. Souvent, quand j'essaie de faire ça, ça se passe mal. Mais j'avais envie de tester un snipe, pas forcément qui one-shot, parce que j'ai déjà tous pris. Mais du genre, tu dis, tiens, pourquoi pas le lab? Bon, sur les dégâts, le SPX dit qu'il en fait plus, mais je me dis, le lab, est-ce que réellement le lab peut être une option? Pas de ouf, mais... une option. Portée des dégâts, etc. Normalement, silencieux, on va mettre celui-là. Ouais, vitesse des balles, à la limite, on perd un peu de portée des dégâts, mais bon, une bonne vitesse des balles, c'est déjà intéressant. Le verrou pour avoir plus de cadence, oui, parce que comme ça one-shot pas, le but, c'est quand même de remettre une balle assez rapidement. Et une petite crosse, à la limite, qui t'augmente un peu la vitesse de déplacement et le temps de viser, ça peut le faire. Comme ça, ça peut être intéressant. Ça me paraît correct. On va essayer comme ça. Et en arme principale, vu qu'on a le lab qui est un petit peu le M40 A3, on peut se faire comme une classe Call of Duty 4. Call of Duty 4, c'est le M40, le lab. Ça serait quoi comme mitraillette? Bah la Uzi. Ah, c'est difficile à dire, mais en gros c'est ça. Celui-là est pas trop mal. On va mettre un petit camo dessus. Pour faire le petit côté style. Bon, en tout cas, elle bouge pas. Ouais, Smiley, ton micro, il pue la merde, petit bâtard. Pardon. Vas-y, on va loot un petit peu ici. Il y a un gars qui arrive. Je me dégoûte. Je me dégoûte avec ce shoot. Il est parti où ce con là? Il est fou lui! Il est fou lui! Oh! Ça fait glissade dans tous les sens là. Je suis pas très fan de... Enfin, la ISO, j'aimais beaucoup avant. Mais ils l'ont nerf. Bon, malheureusement, je vais devoir bouger pour la caisse. C'est pas mal, ça. On a besoin de reconnaissance. La chatte qu'il a eue, lui. Ou peut-être un peu plus que la chatte. Peut-être qu'un peu plus que la chatte. Yes. La caisse est là? Ah ouais? Oh yeah. C'est bien ça.
Ok. Oh! Oh! Oh, c'est dommage. Bon. Il n'y a pas un shop qui traîne. Au pire, je vais aller au ballon. Bon, je pense que je vais y aller. Hein. Wow! Attends, il y a le gars là, mais j'ai cru. Ok. Skyrose, vois-tu shit partout? Il est juste de mauvaise foi. Frérot, mec, apprends à écrire si tu veux critiquer quelqu'un. Parce que franchement, tu passes juste pour un con. Je veux pas être méchant avec toi. Hein. Mais quand tu fais une faute d'orthographe sur tous les mots, on peut pas te prendre au sérieux. Fais un effort. Si tu fais pas pour toi, fais-le pour les autres. Je vais récupérer. Malheureusement. Complicado. Ah. C'est bien ça. Bon là pour le coup le snipe ouais c'est pas... pas l'idéal hein. Ouais moi j'essaye hein. Il y a le gars en haut mais il y a encore... il y a un gars en bas en fait. Dur. Oh, oh, oh la chatte! Oh! Invasion dominante. Oh, je reviens. Oh, je reviens. En fait, le problème des snipes qui one-shot pas, et c'est pour ça que la ranked, ça va être une infection, c'est que les gens qui jouent bah, comme lui sur les toits avec les arrières, etc., si tu veux pas le niquer en une balle, dès que tu le craques, ça se cache et tu fais que ça, c'est que du chat et la souris, quoi. Je vais retourner sur mon loot. Hein. Même s'il y a le gars sur le toit qui peut être une gêne. Lui, il est là. Hein. Mais lui, c'est pas le problème. Lui. Game de merde pour l'instant, mais c'est pas grave. Ça arrive. Ouais, c'est vrai que je me sens moins rassuré avec un snipe qui one-shot pas. Hein. Ça, c'est fou. Hein. Oh là! Ah ouais, lui, il fait le tour du monde, quoi. J'ai quand même envie de lui rendre visite. Hein. Oh là là, c'est lui?
Ah, lui, c'est un autre. Non, la vitesse est meilleure que ça. Oh, j'ai tué Rambo. Mais what? C'est le même que tout à l'heure. Dommage. 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 Véritable enfer, seul. Belle ici.
ne peut vous arrêter. Dommage. Bon, au moins... Bah, pas payé le noscope, ouais, ça aurait été, ça aurait été beau. Hein. Mais écoute, voilà, j'ai voulu, au moins, j'essaye de pas jouer méta, que méta. Hein, quand tu vois l'autre con là en face, bah il a gagné, il joue que méta, tu vois, donc... Bon, pour moi, bon, la méta elle arrive, tu joues avec, tu t'amuses, tu fais des top 1, c'est cool. Au bout d'un moment, bon, quand ça fait un mois que c'est la même méta et que tu continues à jouer uniquement à ça... Il n'y a aucun mérite. Je trouve que c'est... Bravo. J'ai du mal à moi à comprendre le plaisir qu'y ont les gens à jouer uniquement méta systématiquement, mais bon. Sûrement qu'il y en a. Hein. Ouais, pas satisfaction personnelle. Bah, les gars, ils se donnent aucun challenge, ils se donnent aucun défi. Ils disent on n'utilise que le plus facile, et puis voilà, quoi. Donc pour moi, il n'y a pas de... Moi, je me dis, si jamais j'arrive à faire un top 1 avec des armes, tu vois, comme le lab, tu dis, bon, ah, c'est joli. C'est joli. C'est joli. Bon, le lab est cool, mais on va tester le SPX maintenant.